Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 14 septembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé la vieillesse. Mais oui, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas, la vieillesse? On est très jeune pour vieillir et on acquérit ainsi, eh bien, la sagesse, la maturité, l'équilibre, la lucidité, de la patience. Alors, cette carte peut faire référence à une personne qui est autour de vous, une personne âgée de votre entourage. Elle peut symboliser cette sagesse de cette personne. Et vous savez, la vieillesse, elle est associée à une énergie intérieure, à l'enseignement, à la clairvoyance. Et elle indique peut-être que pour certains d'entre vous qui sont rentrés dans la sagesse, eh bien de faire preuve de plus de lucidité, de discernement et peut-être plus de prudence par rapport à votre entourage, par rapport à tout ce qui concerne les amitiés, peut-être aussi la famille, les enfants. On vous invite à prendre du recul afin de faire les bons choix. Si vous avez des choix à faire, eh bien, prenez du recul. Prenez un peu de recul, ça va vous permettre d'éclairer vos choix et de rejeter peut-être des choses que par l'impulsivité et l'impatience, vous auriez tendance à faire. Donc, prenez du recul afin de faire des choix bien judicieux et bien éclairés et surtout de ne pas réagir sous l'impulsivité et l'impatience. Ça, c'est le message de cette carte, n'est-ce pas? C'est vrai qu'avec, moi je dis jamais, on vieillit, on rentre dans la sagesse. Je trouve ça beaucoup plus élégant. On rentre dans la sagesse et quelquefois, quand on rentre dans cette sagesse, on est un peu plus impulsif, on est un peu plus impatient, on voudrait que les choses se fassent tout de suite. Mais bon, voilà, il faut de la patience, de la lucidité et vraiment avoir un bon discernement et avoir un bon équilibre. Alors, par rapport à ce que vous vivez présentement, cette carte peut faire référence peut-être à l'immobilité et à la nécessité de se régénérer. Peut-être que vous avez besoin de vous régénérer et de prendre du repos. Voilà. Prendre du repos. Immobilité, ça veut dire ne rien faire, n'est-ce pas? Laissez-vous vivre un peu et prenez soin de vous. Ça, c'est important aussi de prendre soin de soi. Donc voilà, ça c'est le message pour ce jeudi. Et puis je termine avec l'obscurité. Je termine avec la sagesse Ho'oponopono et c'est l'obscurité et l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée dans la joie, le rire, l'amour inconditionnel, ça c'est important. Et moi je vous dis à demain et d'ici là,
Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.